François Morel, c'est à vous. La semaine dernière, pendant l'émission On n'est pas couché, a eu lieu une altercation entre Laurent Ruquier et Bruno Gassio. Deux humoristes se revendiquant plutôt de gauche, le second reprochant au premier d'évoquer les ennuis judiciaires de Thomas Fabius, dont on ne sait pas s'il est de gauche, mais qui est le fils d'un ministre important qui, lui, se revendique toujours de gauche. Je suis effaré qu'on parle de ça, moi en fait, s'est exclamé Gassio, parce qu'il y a des gens qui nous regardent et qui doivent se dire « Tiens, je sais pour qui aller voter la prochaine fois, moi ». Tiens, je sais pour qui aller voter la prochaine fois, moi. Et on se doute que l'allusion au prochain vote ne concerne pas Mélenchon ou François Fillon ou Bruno Le Maire ou même Hervé Mariton, mais Marine Le Pen. Vous voyez, je ne suis pas Thomas Le Grand, mais j'arrive quand même à décrypter pas mal la politique. Évidemment, la réplique de Gassio m'a interrogé parce que moi, s'il y a peu de gens qui me regardent, il y en a pas mal qui m'écoutent et je serais désolé qu'à la fin de ma chronique, quelqu'un puisse se dire « Tiens, je sais pour qui aller voter la prochaine fois, moi ». Oui, je vous l'avoue, comme tout le monde, moi, par moments, je me demande si je ne fais pas le jeu du Front National. Je vous le dis honnêtement, je me pose la question, d'autant que je me demande si je ne fais pas le jeu du Front National de deux manières, soit en parlant, soit en n'en parlant pas. Soit en prononçant le nom de Marine Le Pen, soit en ne le prononçant pas. Vous voyez, je suis capable de me remettre en question et je me dis que certains ici feraient bien de faire la même chose. Suivez mon regard. Je pense notamment à... Vous voyez qui ? Marie-Pierre Planchon. Ah oui, Marie-Pierre Planchon. Annoncé l'autre matin sans sourciller, avec dans la voix cette inconscience joyeuse, légère, insouciante, picarde, qui est sa griffe, qui est sa signature, qui est sa manière d'être, que les températures allaient baisser de 5 à 6 degrés, mais qu'il allait faire beau du côté de Toulouse, de La Rochelle, mais qu'en revanche, des pluies étaient prévues dans le Pas-de-Calais et dans les Ardennes. Dans le Pas-de-Calais et dans les Ardennes. Est-il nécessaire, je vous pose la question, mademoiselle Planchon, dans le contexte actuel, d'opposer les Français entre eux, au moment où la nation française a de plus en plus de mal à exprimer sa cohésion. Est-il bien utile, oui, c'est toujours à vous que je m'adresse, mademoiselle Planchon, de souligner ainsi ces inégalités objectives entre les différentes communautés françaises qui devraient avoir vocation de vivre ensemble. Marie-Pierre Planchon, sans doute, vous ne vous rendez pas compte des effets dévastateurs que vos annonces peuvent créer. Désormais, Marie-Pierre, je vous en conjure, Marie-Pierre, préférez des bulletins météo moins clivants. Plutôt comme celui-ci, du nord au nord-ouest jusqu'au centre, en passant par l'Île-de-France, la Corse et la Côte d'Azur, le ciel restera variable. Il ne fera ni trop chaud, ni trop froid. Il pleuvra bien de temps en temps, ici ou là, mais des rayons de soleil viendront opportunément sécher la pluie. Le ciel présentera souvent un joli camailleux allant du bleu-gris, en passant par le bleu-roi, le bleu-pétrole, le bleu-canard, le bleu-clin ou le... C'est pas utile d'évoquer le bleu-marine. Ah d'accord. Alors les températures peut-être, elles s'étaleront de 3 à 26 degrés. Là, Marie-Pierre, vous n'êtes pas obligée de préciser que les Corses, qui bénéficient déjà d'avantages fiscaux conséquents, jouiront par ailleurs d'un climat particulièrement doux pour la saison. Alors je ne parle pas non plus des averses sur Calais. C'est pas la peine. Merci Marie-Pierre d'avoir fait un bel effort. Je vous en prie, cher François, c'est bien parce que c'est vous, parce que Ti, je te reconnais, Ti, t'es de ma coin, presque. Oh, pas tout à fait. On peut chier. C'était François Morel avec Marie-Pierre Planchon.